bien sûr dire à nouveau que je suis plutôt sauvage peut apparaître comme une vieille lune. Pourtant, c'est le cœur de ma nature. Je me suis construite autour de cette difficulté, celle d'être au monde. Il n'y a pas de secret à ce trait intime. C'est ma nature profonde. Il faut, pour entrer dans ma vie, qu'au premier regard échangé, je devine chez l'autre quelque chose de familier, comme un souffle qui me transperce. L'instinct trompe rarement. Pour ce nouveau spectacle, j'aperçois tant de visages connus, aimés. Nous avons partagé ensemble tellement d'aventures. À chaque fois que je les retrouve, la magie opère instantanément. Ils sont des repères familiers, des ancrages qui me tiennent arrimés au sol. Surtout quand parfois j'ai envie de m'évader loin de moi, fuir celle qui va apparaître et qui parfois m'échappe. Je m'accroche à leurs regards, ceux des musiciens, des danseurs, des techniciens. Pour ces concerts à l'aréna, je découvre aussi dans l'équipe de nouveaux visages. Ils sont tous parvenus, chacun à leur manière, à m'apprivoiser. Ils m'ont aidé à traverser le Styx pour m'approcher de vous, plus près, de plus en plus près. L'air est lourd de ton absence, l'air est sourd à nos sentiments. L'ange au ciel murmure un je t'aime dans un ultime essentiel. J'ai l'âme dans l'eau, béni soit mon refuge, béni soit l'heure de ma maison. D'où le souffle nos mains qui s'effleurent. J'ai l'âme dans l'eau, j'ai l'âme dans l'eau. Mais les songes ont des portes qui me mènent là où j'avais pied. Désespoir, le présent m'emporte. Faut-il croire que je suis morte? J'ai l'âme dans l'eau. Béni soit ta présence, béni soit l'heure de tous les mondes. J'ai l'âme dans l'eau, j'ai l'âme dans l'eau. Une règle d'or: ne jamais rien s'interdire, quel que soit le rêve. Environ un an de travail en amont, toutes les idées mises sur la table. Bien sûr, nous nous heurtons parfois à des obstacles. La faisabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Un premier travail de scénographe, mais qui n'a pas porté ses fruits. Puis la rencontre évidente d'un projet qui répondait de façon fulgurante à l'atmosphère souhaitée. Dimitri, virtuose des Lumières, avec qui j'avais travaillé en 2019, et Emmanuel, scénographe de grand talent. Ils sont venus avec un dossier complet, un mood board incluant nos désirs premiers, nos cahiers des charges incontournables. Et avant tout, une atmosphère incroyable qui illustrait parfaitement mon souhait premier, plonger dans l'univers Blade Runner. C'est chez moi. Ça, c'est fermé. Les lumières blanches en vont. Elle est très jolie. C'est qui ? C'est qui quoi ? Vous êtes qui ? Je suis personne, moi. Je ne suis personne. Très beau. Elle est bonne, mon invitation, ou pas ? J'adore. C'est beau. C'est pas bien. Donc c'est une grande salle quand même. Elle est plus humaine à ce niveau. Bon, Tonio, voilà. Non cube. J'allais pas dire apaisant. C'est serein en tout cas. La salle est vraiment belle pour ça. Ça a de la place, hein? C'est génial. Non, mais ça va être génial.
comme un appartement. Un grand appartement. Et tu sais quoi, bizarrement, je trouve ça très rassurant. Mais oui. Les proportions sont sublimes. De la scène, salle, de l'anneau, quant à tout. Que... content, les gens, ça va être incroyable. Ça, c'est impressionnant. J'ai des palpitations, ça commence. Bah, écoute, c'est impressionnant. Hein, c'est incroyable. Bonjour. Ça va? Magique. Il a. Loulou, viens là. Je sais pas, je regarde. C'est les mêmes proportions. Non. Oui, c'est les mêmes. Ah oui, c'est les mêmes. C'est fou. En tout cas, c'est sublime. Sublime. Voilà. Ce qui est important, c'est que tu tiennes ta poignée là. C'est bizarre. J'ai le cœur qui bat. En fait, c'est l'appel du vide, c'est un drôle de truc, hein, l'appréhension du vide, là. Tu te sens inspiré déjà à cette hauteur, là. Tu es bien quand tu tiens comme ça, Là, c'est même pas en termes d'être bien, là. Tu seras très attaché. C'est confortable. J'ai le cœur qui déraille. Dans les bras, dans les bras. Non, attends. Ouais. J'ai pas. One, two. Ouais, bravo. Merci. Mon loulou. J'ai le cœur qui déraille. Mais c'est normal. They told me it was going to be a big stage. I think they lied. Oui. I expected such a thing, but it's not. It's impressive. It's oh yes. It's incredible. Very much so. Yes. Congratulations. Well, we share that soon. It's going to be fun. Yes. Moi, ça me plaît beaucoup. Non, ça va être incroyable. T'avais pas vu ça? Rien. C'est bien, hein? Ça va mieux, ça. C'est une très bonne journée. C'est une belle journée. Il faut le doubler avec la lumière, faire un truc vraiment. Ça, c'est l'écran central. Il sera là. Il est là. Hein. Et ça, c'est les écrans c'est dans la salle. Et le vortex va être beaucoup mieux après quand tu vois, il arrive dans le trou, là, et ça se met à tourner. Surgit du vortex, Albator. Albator est un personnage sombre qui vient de l'espace. Un capitaine de vaisseau ténébreux, silhouette élégante. J'ai toujours été fasciné par ce personnage énigmatique. Il me permettrait ma traversée de l'ombre à la lumière. The Ring. Ça, c'est la lumière. Là, c'est toutes les lumières qui sont à clignoter, rouges. Tu vois, quand je te dis brouillé, ça, c'est génial, parce que c'est encore plus effrayant. C'est terrifiant. C'est merveilleux. Regarde là. Là, c'est l'hôpital de fou.
cher comme ça. Un robot. 1, 2, 1. Bouge bien ta tête, j'aime bien quand tu bouges. 1, 2. On est à 50. Ça tourne. Late at night in summer heat, expensive car in an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid. I can hotwire an ignition light, some kind of star. Just a poor boy in a rich man's car. Et le moteur s'allume enfin. Nos vies s'enlacent. And we drive into the night. Oh, le cuir du sang mêle à votre ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire. There's some kind of complication. Il lui dit, he's alone, spends the night with his lover. Il y a des traces, tous les mots de sa maîtresse à l'oreille et sans détour, comme une chanson d'amour. He's taking me dancing tonight. I've been all on my own. Les promesses d'un jour d'un soir, je les sens encore absents. I'm just a prisoner of love. Prisonnière de mes vagues. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Merci pour ce cadeau. Merci. Merci à vous. I never read that. I don't know the song. I know the writer. He's my favorite writer ever. He wrote The Great Game. Mm-hmm. And I read his biography last year. No. But I've never heard of it. Not me either. It's a gift to us. So where are you? I know him. Yes, you do. How's it going? Good. I feel great. Sorry, I'm just. What I should. For? It's very long. Would you imagine? So how's my hologram? Is it a hologram? The thing we shot it's last time? You are big like the screen, which is the highest in the world. So you have your face above Ugh. Me. Coming from... No, it's beautiful. Really, it's powerful. Then Laurent will explain what to do, but it's very simple. We keep your face anyway, huge, behind the both of us. Oh, okay. But it's we make a loop, then it's always the same face. Okay. And then you enter, and then you see if you want to see. Well, Mylène, I'm very happy to be here. Merci. Cheers. Ça y est, je viens de le faire, hein, l'allée. Ah bon ? Ben oui. Ça, ça me rappelle la photo de Sainte de France. Elle était belle. Oui. Pour la caméra. Regarde là-bas. La première fois que j'ai découvert ce nouveau lieu,
J'entendais les battements de mon cœur frapper mes tempes et je me suis dit, tu es folle. Cette phrase, combien de fois me la suis-je répétée? J'ai alors tout de suite pensé à 2001, l'Odyssée de l'espace. J'ai regardé Thierry, Laurent, nos yeux brillaient. J'ai instantanément adopté ce lieu magique. Je me suis laissée traverser par ses ondes, sa hauteur, sa profondeur. J'ai imaginé alors que nous pourrions aller loin, très loin dans notre nouveau vaisseau, embarqué dans ce nouvel engin non identifié, avec tous ceux que j'aime, pour ce voyage en terre vierge. Pour cela, il a fallu tout imaginer, tout concevoir, tout construire, avec bien sûr cette frayeur qui ne m'a jamais quittée, toujours cette petite voix qui me dit « Et si au moment de l'atterrissage, il n'y avait personne ?» Chaque jour qui passe est une page à écrire. Il faut noircir les feuilles, construire, dessiner, fabriquer, créer de la magie afin que les couleurs éclatent, que la lumière advienne, afin de réveiller un astre éteint. Il faut fendre la matière noire pour que la vie apparaisse. J'embarque avec moi dans ce vaisseau près de 110 personnes. Tout prend corps alors et tourbillonne autour de moi. Le soir, lorsque j'éteins la lumière, je tente de faire le vide, mais les images m'assaillent. J'ai besoin d'avoir peur pour résister au néant. La question est, si je mets là, oui. On va te mettre à ta place, ils sont là, tu t'assois, intro, petite lumière en contre-jour, parce que tu sais, sur l'intro, t'as ça. Donc, il peut y avoir l'intro dans le noir. Pendant ce temps-là, ils avancent dans le noir, mais les gens Ah non, je te disais autre chose. Je veux dire à vue. À vue, c'est-à-dire que moi, je marche, il y a le trône, j'aurais fait le trône qui vient derrière moi. Et là, à ce point-là, je m'assieds. C'est ça l'idée. Eux viennent se positionner par là, on va définir une place. Et si ça marche bien, que c'est bien droit, etc., peut-être on le fera à vue à ce moment-là. Et pour l'instant, on le fait dans le noir, donc assez rapidement. On se fait un petit coup. Il te plaît le fauteuil? Sublime, sublime. Très, très beau. Il est très, regarde. On s'est appliqué, je peux te dire. Très, très photogénique. Je craignais, moi, pour la tête de loup. Tu vois, je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué, sans doute. Ça aurait pu. C'est remarquable. Ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Vraiment... Incroyable. Ouais. La hauteur est absolument géniale pour s'asseoir. Ouais, c'est top. Ah, parfait. Bon. Perfection. Non, magnifique. Et celui-ci dehors, ça va faire quoi si je le récupère et que... J'y ai pensé. Parce que l'autre, il y est toujours. Hein. C'est vrai? Ah ben, je vais te faire une photo. Ah ouais? Il a pris un peu de... de patine, mais oui, j'adore. Et je te rends ton...
Mobile, elle est où? Papa mobile, elle est là. Il faut qu'elle soit là. Tu la veux là? Ouais, ouais, c'est où je marche. On peut plus de marcher. Moi. D'accord. Ouais. J'ai vu partir, Mylène court. Oui, mais il faut pas que tu cours, il faut que tu recules. Non, non. J'ai marché, puis après j'ai couru. Toi, tu mords là tout de suite, hein, il a fait exprès. Mais, non, mais c'est bien que tu cours, mais il va pas sortir. Donc parce que je vole. Tu recules ou tu te retournes et tu pars? Non, je me retourne comme ça. Et je marche, et hop, après je commence à marcher plus vite, et je m'envole, je fais ce que je veux, dit-il. On n'est pas à l'abri d'y arriver. On va y arriver. Alors, j'ai jamais fait de trottinette de ma vie. Non, c'est électrique. Oh, bah si, quand même. Et après, attention. Là, il faut la lancer. Bah quoi, la lancer? Lancer quoi comme ça? Il faut se lancer avec. Il faut se lancer avec. Et t'appuies en même temps. Ah, ça y est. Ah non, c'est affreux ça. Non, non. On va pas faire ça. Vas-y, Lou. Petite fille. Tu veux que je te raconte une petite histoire? Je sais pas faire ça.
Merci pour tout ce que vous me donnez. C'est bon? Oui. C'est glam, ça, j'en adore rentrer en scène comme ça. Bon, ben, salut. Ouais. Thomas, ça fait clunk clunk. Et tu l'entends? Qu'est-ce qui fait ce bruit? La vibration du... Changer, je sais pas. Elles sont très bien, mais elles sont moins hautes, moins sexy, mais en même temps. Pff. Les talons, c'est compliqué sans contrefaçon. J'ai ça de talons quand même. Surtout pour les tours. Ouais, comme j'ai pas un grand équilibre. Tu es censé dire tu es hyper sexy, même talons pleurs. T'es même. Non, chaussette, t'es sexy. Non. Bon, d'accord. Choisir.
faudrait que je travaille un peu quand même. Hein? Parce que là, on rigole, je vois rien. Je suis un peu énervée sur le rouge à lèvres, non? Hein? comme vous voulez. C'est surtout toi. Moi, je ne me regarde pas, donc. Ok. So without the mirror? Voilà, c'est ça, d'accord. Okay. Il a raison. Je suis là et le trône arrive. Oui. Mais ça ne gêne pas la formation? Non, non. Au début des larmes, c'est ça? Ouais. Ah bon? Pourquoi? Ah, pour que Mylène puisse sortir. Voilà. On va demander à Maud qu'elle t'amène juste la cape de mousseline pour que tu vois. C'est magnifique. Hein. Je l'ai fait avec l'autre costumière l'autre fois. Donc là, moi, l'abeille, il me faut une marque au sol, là. Puis je vais mettre un nom dessus. Mais je suis en courant qu'elle soit dessus là. Amstramgram, ensuite, on fait 6 et 8. On fait pas la chorégraphie, c'est juste pour les positions finales, d'accord? Alors attendez, j'ai 4 pas à faire. 1, 2, 3, 4. Reculez un tout petit poil, c'est un peu trop. The tiny bit. Yes. On peut mettre les danseurs dessus, juste tout de suite pour voir. Allons-y, qu'on jauge qu'est-ce qu'on va éteindre en chorégraphie ou pas. Moi, laisse-nous appréhender la chose, on voit comment ça se passe, et après, on affine. Tout sur place. Fais-le avec moi sans bouger du tout. Ça fait. Tous ensemble ! Je cherchais une âme.
fait sourd à nos sentiments. L'ange au ciel murmura je t'aime dans un ultime essentiel. J'ai l'âme dans l'eau. Béni soit mon refuge, béni soit l'heure de ma maison. D'où le souffle nos mains qui s'effleurent. J'ai l'âme dans l'eau. J'ai l'âme dans l'eau. Mais les songes ont des portes qui m'émènent là où j'avais pied. Désespoir, le présent m'emporte. Faut-il croire que je suis morte? J'ai l'âme dans l'eau. Béni soit ta présence. Béni soit l'heure de tous les mondes. J'ai l'âme dans l'eau. J'ai l'âme dans l'eau.